Le compte à rebours arrive son terme. Vendredi 17 mars, Guillaume, candidat de la 17e saison de L'Amour est dans le Pré, surprenait ses abonnés Instagram en annonçant un mystérieux décompte via une nouvelle publication. L'agriculteur a trouvé l'amour en la personne Noémie. Et ce compte à rebours semble avoir tout à voir avec leur histoire d'amour. En effet, vendredi 24 mars, l'habitant du Limousin a publié une story sur son compte Instagram, une photographie prise sur la route, accompagnée du message Nord Pas-de-Calais, me voilà. Une destination qui est loin d'être anodine. En effet, le Nord Pas-de-Calais compte une habitante chère au cœur de Guillaume, Noémie. Car les deux amoureux ne font pas encore foyer commun. Je ne vis pas chez Guillaume, je suis toujours dans le Nord, dévoilait ainsi la candidate de l'amour et dans le pré à ses abonnés Instagram en janvier dernier, 2 mois avant le décompte lancé par son compagnon. Le même jour, Noémie avait également partagé la même photo que Guillaume, l'accompagnant du message vivement que tu sois tous les jours dans mes bras. Il semble donc que l'agriculteur du Limousin soit en route pour aller chercher sa belle, en vue de son aménagement dans son exploitation agricole. L'amour est dans le pré 2023, découvrez le portrait des agriculteurs de la saison 18 L'amour est dans le pré, début difficile pour Guillaume et Noémie. Les téléspectateurs de L'amour est dans le pré ont découvert Guillaume et Noémie à la fin de l'été 2022, au début de la diffusion de la 17e saison de l'émission présentée par Karine Lemarchand. Mais ils n'ont vraiment pu assister à la naissance de l'idylle entre l'agriculteur et sa prétendante, qui n'est réellement née qu'à la suite du tournage. Pourtant, la première nuit, Guillaume avait été entreprenant. En fait, il est venu devant la porte pour me demander s'il pouvait rentrer, avait expliqué Noémie dans l'émission. Une affaire qui a tourné court. J'ai accepté qu'il rentre mais pas longtemps puisqu'il s'est sauvé, en fait. Une timidité qui se comprend, Guillaume n'avait jamais été en couple auparavant. Crédit photo, capture d'écran Instagram,